après la perfection en fait. C'est vraiment ça qu'on cherche en voltige, la figure parfaite. Zéro adrénaline, parce qu'on est vraiment dans un domaine qu'on connaît en fait. Vraiment tout est mesuré, tout est pesé, tout est préparé. Donc je fais de la voltige aérienne depuis 2 ans maintenant. Je pouvais pas pratiquer avant parce qu'il y a une date d'âge limite presque, c'est une imprégnation, enfin j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit, je connais un peu l'histoire parce que je me documente, et après j'ai commencé à pratiquer du coup il y a 2 ans. J'étais déjà passionné par la voltige avant d'en faire. J'ai fait un peu l'équivalent des cours d'auto-école mais dans un avion. Quand on apprend effectivement à piloter un avion de base, on n'apprend pas à faire de la voltige. On apprend simplement à se balader avec un avion. La voltige c'est vraiment quelque chose d'annexe, c'est vraiment du pilotage pur. Donc, beaucoup de gens font la comparaison avec le patinage artistique. Donc c'est très similaire dans la façon aussi de procéder, avec un collège de juges voilà, qui va mettre des notes, etc. Et puis c'est un petit peu artistique dans le sens où c'est l'esthétique aussi qui est jugée vraiment, l'esthétique des figures, l'enchaînement. Ce qui m'avait attiré dans la voltige, c'était juste la beauté du vol en fait. Alors les juges, ils ont plein de critères de notation. Enfin, par exemple, quand on fait une rotation, si on fait, on perd un point tous les 5 degrés de rotation qui ne sont pas corrects. Donc si par exemple on est en vertical et on doit faire un quart de rotation, donc ça veut dire 90 degrés, si on a fait 85, ça se voit un peu du sol. Donc déjà il va enlever un point. Donc si on fait 80, il enlève 2 points, etc. Un sport, contrairement à ce que pas mal peuvent penser. C'est vrai que c'est un sport mais qui est encore pas mal marginalisé, et même au sein de la communauté aéronautique, c'est vrai que les gens, même certains pilotes qui font pas de voltige, savent pas que ça se pratique en sport. Moi j'ai fait du kayak avant en compétition, donc du slalom, donc je sais bien ce que c'est la compétition, l'ambiance de la compétition, ça fonctionne pareil en fait. C'est la même chose quand on est sur une compétition, on est avec les autres, on prépare la compétition, avant un vol on va être dans sa bulle, on va se préparer. Il y a toute la phase avant en amont d'entraînement avec l'entraîneur. On peut avoir le statut de sportif de haut niveau, donc que je n'ai pas à l'heure actuelle, parce que voilà, c'est dans les niveaux on va dire supérieurs. Et donc c'est ce que j'aimerais faire plus tard, prochainement. Assez peu fourni parce que j'ai commencé il y a peu de temps. J'ai fait deux compétitions l'année dernière. La première, c'était une compétition régionale où là j'ai fait premier. Et la Coupe France Nord, j'ai fait troisième. Et donc j'avais été sélectionné après pour les championnats de France, mais où je suis pas allé parce que je travaillais justement pour payer tout l'argent que j'avais perdu pendant les deux premières compétitions. Une heure de vol en avion, ça coûte 200 euros. Donc sachant qu'on fait des vols à peu près, quand on s'entraîne en compétition, on fait des vols de 15 minutes. Au niveau où je pratique, les compétitions, c'est à peu près 7 à 8 heures de vol de préparation. Donc en gros, par an, on peut faire de la voltige avec un budget de 2000 euros. Quoi. Ça coûte assez cher, donc on peut pas faire ça, enfin moi personnellement, je peux pas faire ça régulièrement. Et donc il y a vraiment une période de l'année avant les compétitions où je me prépare et voilà, je suis à fond dedans. Puis les 8 mois restants de l'année, donc je fais à peu près un vol par mois juste pour maintenir les compétences. Tu passes 15 minutes peut-être dans l'avion, effectivement entre le décollage et l'atterrissage. Autour de ce vol de 15 minutes, tu peux passer une après-midi en fait, parce que tu as toute la préparation de l'avion. Tu as le vol, après tu as rangé l'avion, avant tu avais le briefing, après tu as le débriefing, donc voilà, tu as de quoi t'occuper quoi. Et
en vitesse de croisière, l'avion avance à la petite marque jaune qui est ici, donc c'est à peu près 240 km/h. Tu tires sur le manche, tu vas monter. Tu pousses sur le manche, tu vas descendre. Par rapport à Sciences Po, non, je travaille normalement à Sciences Po et dans le temps qui me reste, par contre, je fais quasiment que ça, quoi. Ça prend pas mal de temps, ça prend pas mal de place aussi dans la tête parce que c'est plus mental parce que finalement, je passe assez peu de temps dans l'avion au final. Mais voilà, tout le temps de préparation aussi, de mémoriser les programmes. Quand on va faire un vol, on va vraiment préparer le vol à l'avance. On va vraiment préparer notre programme, on va dire bon, voilà, quand j'arrive il faut que je sois là, il faut que j'ai telle vitesse d'entrée pour cette figure là, il faut que je sois là dans le box, après deuxième figure combien est-ce que je prends de vitesse, qu'est-ce que je mets comme tempo entre les différentes figures et tout ça. Donc c'est vraiment de la concentration pour être capable finalement de restituer un travail qu'on a fait au sol qui est quand même assez complexe, mais avec la moitié de neurones en moins parce qu'on est effectivement sous facteur de charge et donc on est dans une situation un peu déstabilisante, quoi. C'est, on perd un peu nos repères et tout. C'est vraiment être tunnelisé dans le vol, ne penser qu'à ça et être, voilà, avoir un objectif. Donc c'est vraiment la concentration, je dirais, la qualité essentielle. La voltige, c'est vraiment, on a une figure sur le papier et puis après on essaye vraiment de la refaire, de la faire au mieux. On essaye toujours de tendre vraiment vers la perfection. Finalement, c'est un sport où on n'est jamais satisfait, quoi. Tant qu'on n'a pas 10, c'est pas bon, quoi. Donc même si on fait premier, on est champion du monde et voilà, il faut quand même un bon score. On est tout le temps en progression, dans la mesure où on est tout le temps en train de rechercher des nouvelles techniques pour mieux faire les figures, pour essayer d'atteindre le 10 sur 10, même si tu sais que tu l'atteindras jamais. Donc, c'est une progression infinie. On va pas parler sport extrême pour la voltige parce que le danger il est pas immédiat. Et pour la voltige, ouais, le risque, bah, c'est le sol, quoi. Donc on fait pas face au risque tout le temps, quoi. Les accidents sur les 10 dernières années en voltige en France, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc voilà, alors qu'il y a des accidents de voiture tous les jours. On n'improvise jamais en fait en avion, donc c'est vraiment des choses qu'on maîtrise. Mais il y a un petit risque et on est préparé aussi à ça, à réagir en cas de, voilà, en cas de vrille plate par exemple. On a une procédure pour sortir des vrilles. Moi personnellement, avant chaque vol, je me dis bon bah comment je vais faire pour sortir de l'avion. Donc voilà, on répète des petites procédures, ce qu'on appelle les actions vitales. Même mon père qui est pilote, bah, il n'avait jamais fait de voltige, donc du coup il savait pas trop et il s'imaginait effectivement que c'était assez dangereux. J'ai forcé un petit peu au début et puis après quand on a commencé à en faire, bon, il a vu vraiment en maîtrise. Et plus on en fait, plus on apprenne les gens aussi dans le truc, plus ils se rendent compte que c'est pas, que c'est faisable, quoi, que c'est pas forcément ce qu'ils imaginent. Donc l'avalanche, on va chercher à peu près 280 km/h. Tac, tu tires sur le manche, tu tires 4G, donc là t'es compressé dans le siège, hop. Là tu vois l'horizon qui arrive, tac, tu déclenches. Tac, bien dans l'axe, et tu repars après. Donc ce qui va être noté, bah, c'est la boucle, quoi. Déjà avoir fait une boucle qui est bien ronde. Et puis ensuite, le tonneau est planché en haut. Et est-ce que j'ai bien déclenché? Est-ce que c'est bien dans l'axe? Est-ce qu'il n'y a pas de vibration, etc. Et donc bah, l'objectif à terme, ce serait d'avoir une sélection en équipe de France, donc pour justement bénéficier du statut de sportif de haut niveau et avoir des subventions, voilà, et pouvoir faire plus de voltige, plus d'entraînement, et puis aussi éventuellement trouver des sponsors aussi à l'avenir. Si on se débrouille très très bien, on se qualifie d'une marche par an. La progression normale, c'est à peu près sur une dizaine d'années pour arriver au plus haut niveau, quoi. En équipe de France, on peut être à partir du National 1. Donc vu que je suis en promotion, ben, si je me débrouille bien, ça nous amène à dans 2-3 ans. Quoi. Voilà. Bah, le rêve, ce serait d'être champion du monde, mais bon, ça c'est quelque chose de... C'est un rêve, quoi. Ouais, si, c'est un rêve. Il faudrait avoir beaucoup de sous, avoir beaucoup de sponsors et être très 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 entraîné. Et... Mais oui, c'est réalisable, ouais. J'ai pas de boulette en compétition. Ah si, elle avait toutes les verrières ouvertes en fait parce qu'il fait vachement chaud. Et donc il y a un hélico qui est venu en fait. Donc en fait c'était sur un terrain en herbe. Donc il y avait l'herbe qui avait été coupée il y a pas longtemps forcément, qui a toute l'herbe a foutu le camp. Et il y en a une bonne partie qui a fini dans les verrières de nos amis. Et, bah, en voltige, on vole souvent à l'envers. Première mise d'eau que j'ai fait avant de commencer mon vol, paf, il tombe
plein d'herbes qui me tombent dessus et dans tout le cockpit, donc c'était moyen pour faire le vol après.